À l'Université Laval, l'environnement, c'est important. Nos cours, notre recherche, nous sommes visionnaires de l'environnement. Le respect de l'environnement, c'est partout à l'université. À l'intérieur des murs. À l'intérieur des murs. À l'intérieur des murs, comme en dehors. Ici, on croit au développement durable. Ici, on travaille ensemble pour le développement durable. Le 12 décembre 2011, le Canada a annoncé son retrait du protocole de Kyoto. Un traité important pour l'environnement. Il est le seul à s'être retiré du protocole. Il est le seul pays à fuir ses obligations internationales. Nous dénonçons cette décision du Canada au nom de grands principes constitutionnels. Au nom de grands principes constitutionnels. La primauté du droit. La séparation des pouvoirs. Le principe démocratique. Le non-respect de la loi sur la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Il a une responsabilité envers les générations futures. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Et nous dénonçons l'attitude du gouvernement du Canada en matière d'environnement. Parce qu'on tient à nos forêts, à nos océans et à notre planète. Et parce que l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'on tient à notre réputation internationale. Parce que l'environnement, c'est le défi du 21e siècle à relever. Nous avons signé symboliquement le protocole de Kyoto. Et vous, membres de la communauté de l'Université Laval? Et vous, membres de la communauté de l'Université Laval? Ensemble! 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 Nous avons signé symboliquement le protocole de Kyoto. Nous avons signé symboliquement le protocole de Kyoto. Nous avons signé symboliquement. Nous avons signé symboliquement le protocole de Kyoto. Nous avons signé symboliquement le protocole de Kyoto.